Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Let's open. Je ne serai pas long dans mon enseignement, mais je vais vous donner un élément de ce qu'on va essayer de voir en fin d'année. Amen. Je vais vous donner un secret. We're going to give you secrets. L'évangile de Jean, le chapitre 1. The worship of John. L'évangile de Jean, le chapitre 1. Worship of John. Écoutez très bien. Je suis en train de vous amener à apprendre des choses, à connaître des choses pour être efficace dans la prière. Thanks, so that you can be powerful in prayers. Madame le mouton. We're going to put anointed oil on it before. En fin d'année. Because we are at the end of the Évangile, year. Chapitre 1. The Gospel, chapter 1. Alléluia. Je vais vous révéler beaucoup de choses tout à l'heure. Let me reveal you two things. Que la gloire et l'honneur te reviennent. The honor come back to you. Comment t'appelles-toi qui a le chapeau là? What is your name? Yeah. The one with the hands. Ça n'arrivera plus au nom de Jésus. Amen. Il ne mourra pas au nom de Jésus. Amen. Cette mort est annulée au nom de Jésus sur ta vie. Il y a un esprit de sorcellerie, une grande confrérie de cinq personnes à la tête d'une dame. De la tête de cette confrérie qui m'était nuit. Mais ça n'arrivera pas dans le nom de Jésus-Christ. J'annule le plan de la sorcellerie sur ta vie. Jean le chapitre 1. Si vous y êtes, on fait la lecture. Écoutez très bien la parole de Dieu. Il y a quelqu'un, écoute très bien. On y va. À partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole. Amen. On dit au commencement était in the beginning was la parole. The word. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. With God. Et la parole était Dieu. Et la parole the était Dieu. Was God. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement was avec the beginning Dieu. With God. Toutes choses ont été faites all par elle. Came into being from et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Que Dieu te bénisse. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans all things can be to him through him and without not one thing can vous avez cette révélation, if you have that vous allez tout réussir dans votre vie. You'll succeed in everything. Vous allez réussir dans vos vies. Nous allons parler de la puissance de la parole. Amen. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La Bible dit qu'en toutes choses la parole est importante. Vous savez, dans toute chose, c'est le commencement qui est important. Le commencement détermine la fin de la chose. C'est comme un bâtiment, tu veux construire un building. If you like to build something, have a building. Il faut avoir un sous-bâtiment, le commencement, la fondation, très solide. Si n'est pas solide, le building se croule. Strong, that this could collapse. Si vous voulez démarrer une affaire, ça dépend de comment vous démarrez l'affaire. Le commencement de l'affaire détermine la fin de l'affaire. Your business. Or la Bible dit, quand Dieu voulait créer la terre, Jean le chapitre et Genèse le chapitre 1, vous allez comprendre. Je suis en train de vous amener à une dimension de la spiritualité, la haute spiritualité, pour que vous puissiez posséder votre environnement. Vous êtes quelque part, vous devenez les meilleurs de l'environnement. C'est cette connaissance-là que je suis en train de vous donner. C'est ça. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Parfum, chapitre 1, verse 1. Au commencement, in the beginning, il y a eu aussi un commencement là. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé les cieux et la terre. Et comment la terre? La terre était informe. La Bible nous explique que la terre était vide et informe. Il y avait des ténèbres à la surface. Il y avait des ténèbres à la surface. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais il y avait l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, elle que la lumière soit. Dieu dit que la lumière
Let there be light. Et la lumière fut. Ça veut dire au commencement, la création, la terre était vide et informe. Il n'y avait pas de forme comme le corps terrestre que nous voyons. Quand j'ai fait le voyage sur les États-Unis, j'ai compris. Parce que moi j'étais en France, donc il y avait derrière de la chaise qui était en face de moi, il y avait un écran où on suivait le parcours de l'avion depuis la France et jusqu'aux États-Unis. Et là j'ai compris que quand on a traversé une mer, parce qu'on va traverser la mer, la carte du monde s'est tournée. Donc l'Afrique se trouve de l'autre côté. Et les Atlantiques de l'autre côté. Donc quand il fait jour chez nous aux États-Unis, il faisait nuit the day here, ici. It is night in the United States. Et j'ai compris. When it is the day here, amen. On n'a pas les mêmes horreurs. J'ai compris. La terre tourne. C'est vraiment le globe terrestre. J'ai vu ça. La carte, je tente de le voir. Le parcours, tout ça. On dit que c'était informe et vide. Il n'y avait pas de forme. Mais pour qu'il y ait une activité, Dieu déclare avant la lumière. Parce que Dieu ne peut pas travailler dans les ténèbres. Donc il va commencer en utilisant la. Non, parole. Lis-moi Marc 4, le verset 14. Pourquoi la parole est importante? Pourquoi l'importance? Pourquoi? Marc, l'évangile de Marc, le verset 14. Marc 4, le verset 14. Pourquoi l'important la parole? Verse 14. Why is the word important? Le semeur sème la parole. C'est tout. Pourquoi elle est importante? Parce que la parole est une sémence. Et dans la vie, ce qu'un homme sait, c'est ce qu'il récolte. On récolte ce qu'on a semé. Or, toi, tu as semé quoi pour récolter quoi? J'ai mon c'est plein. Je n'ai pas ça, mais tu as semé quoi? You don't have this, but what did you grow? Tu as semé quoi? What did you do? Pour récolter quoi? On ne récolte que ce qu'on a semé. Donc, je commence au commencement. So, quand tu voulais commencer une activité, qu'est-ce que tu as fait? What did you do? Tu vas me dire tu as prié. C'est une chose. You have prayed. Amen. It's a very good thing. Mais tu n'as pas semé. But you didn't grow. Amen. Amen. Tu vas me dire mais comment on sème? But you say. Mais c'est la parole. How do we grow? Qu'est-ce que tu as dit? But what did you say exactly? Qu'est-ce que tu as dit? What did you say? Ton enfant est né. C'est ça qui nous dérange. Nos parents, quand on est au village, ils viennent nous donner une semence, une parole. On dit, voici la vieille. Elle va enterrer le placenta de l'enfant et elle est laissée derrière la maison, derrière peut-être la cuisine du village. Vous ne savez pas ce qu'elle déclare sur le placenta, mais la vieille a parlé. C'est cette parole-là qui nous suit. Ils ont enterré son ombre, son cordon ombilical. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On ne sait pas. Mais ça nous suit. Parce que le commencement c'est important. C'est ça qui ne permettait pas n'importe qui d'avoir accès à votre bébé. J'ai toujours dit, quand une femme commence à être enceinte, le père ou mais la mère, mettez la main sur la grossesse, commencez à s'aimer la parole. Déclarez au bébé, tu ne sortiras pas malade. Tu vas grandir sans maladie. Tu réussiras sur cette terre. Et quand l'enfant sort dans le lion pour cette parole, c'est ce que vous allez s'aimer. Qui va produire dans la vie de l'enfant. Pourquoi? Parce que la terre, Dieu a pris la terre pour constituer l'homme. Dieu a pris la terre pour constituer l'homme. Et la terre a besoin d'une semence. Et la semence, c'est la parole pour l'homme. Vous travaillez, vous avez commencé une activité. Tant que vous ne semez pas une parole, c'est l'activité. Parce que c'est en fonction de cette semence. Parce que la semence, il peut avoir des grains de riz, il peut avoir des grains de maïs, de sorgho, de mil. Mais c'est quelle semence que tu as semé? That you grow. Eh bien, nothing. Mais il n'aura rien, il n'aura pas de fruits. Quand vous commencez à entreprendre quelque chose, une activité, je prends un exemple d'un commerce. Vous voulez entreprendre un commerce, une affaire, ce n'est pas votre intelligence, c'est la grâce de Dieu qui vous apportera la réussite. C'est la grâce de Dieu. Quels que soient les moyens que vous aurez, la Bible dit que c'est l'éternel, la bénédiction de Dieu qui enrichit, elle ne fait souvent aucun chagrin. C'est la bénédiction du Seigneur. Vous commencez comment? David dit, avec Dieu, nous ferons les espoirs. Avec qui vous commencez?
Vous vous engagez dans une activité et c'est après vous venez demander au pasteur. Non. An activity. And after, avant de commencer, il faut commencer par le commencement. À commencer à associer le ciel à l'activité. Vous venez voir un homme de Dieu. The earth with the activity. Vous lui confiez le sujet. Si l'homme de Dieu, il a une révélation, des choses spirituelles, that's for spiritual things, il va te dire, tiens, va faire telle chose dans ton environnement. In this area. Tu dois un magasin, vous avez une boutique, vous devez s'aimer dans le magasin. La parole. Ici, il ne doit pas avoir de manque de clients. Like chaque matin, devant votre magasin, prenez l'onction d'huile. Parlez à la terre. La terre va enregistrer ce que vous avez dit. Et la terre va produire ce que vous avez déclaré. Parce que la terre a des oreilles. Deutéronome 32, le verset 1 nous dit, terre, écoute ma parole. Earth, listen to my words. Deutéronome 32. Je pense qu'on a la hauteur de l'enseignement. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ok. Prêtez l'oreille. Très bien, écoutez. On dit Dieu n'a qu'à faire quoi? Give okay. Ear. Oh, ça dit que le ciel écoute la prière. So it means that the heaven. L'élément ciel vient écouter la prière. Le ciel est fait. The heaven. Ouais, les oreilles à notre prière. Ok. Give allons-y. Oh, Dieu, prêtez l'oreille et je parlerai. Give ear, oh heaven, and I will speak. Père, let the earth. Écoute les paroles de ma bouche. Of my mouth. Que amen. Mes instructions. Les instructions, que mes instructions se répandent comme la pluie. Amen. Amen. Le ciel va écouter la parole, mais the heaven will la listen terre to the word, va écouter tes instructions et va se répandre. Like the rain. C'est pour ça que rien ne peut se faire sans parole. Nothing can be done without. On n'est rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Down on earth has been done without. Il a prié, ok. Yeah, we have prayer. Il y a des actions. But we have some actions. Tu as besoin d'être mené pour régler un problème. Down to solve the trouble. The problem. On vous a fait dans une ville. Dans chaque village. New city. Dans chaque ville. Il y a toujours un esprit contraire. There is. Parce que nos villes ont été bâties sur du satanisme, sur des démons. Devilish things. Donc tous ceux qui sont bons. Quand ils vont là-bas, je t'explique les attaques. There, alors quand tu as affecté à Korogo par exemple, ou à Gagnoua par exemple, tu n'es pas de chez toi. Quand tu arrives à Gagnoua, tu es obligé de parler la vie de Gagnoua. Il faut que la vie de Gagnoua t'accueille. Sur cela, quand le président de la République vient à Divo, on va chercher le propriétaire terrien qui est à Grémian ici. Celui qui vient faire l'usurpation. C'est quand il parle que le président parle. Parce qu'il faut que la terre de Divo la gagne. Or, ce n'est pas tout le monde qui a la clé de Divo. C'est le propriétaire terrien. Only the landowner. Vous m'avez compris? C'est le secret que vous devez avoir. C'est quand le président, le pape, descend dans un pays. Pas parce qu'il a envie de faire bisous. Il parle à la terre. Ce qu'il donne comme instruction, la terre est obligée d'obéir. Ce qu'un homme sait, c'est ce qu'il raconte. Au commencement était là. The beginning, on dit rien. The word, va dans le devant. Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on m'a écouté un peu? Ça va? Ça va? Vous êtes à la hauteur de l'enseignement? Amen. 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 The teaching that we have. Il y a des choses prières peuvent régler. Il y a des choses c'est pas prière qui règle. C'est les actions prophétiques. Amen. Parce que la terre, vous voyez là, ça reconnaît ses prophètes. Yeah. Vous savez pas ce que les gens disent à Grémian. Quand, what le, people quand have said le chef de village de Grémian vient, tant que tu n'es pas de Divo, donc tous ceux qui sont de Divo, peut-être vont réussir dans un domaine, mais ceux qui ne sont pas de Divo, peut-être les chefs vont venir. Or, toi, tu es le premier propriétaire de toutes les terres, de la surface qu'on appelle planète. Vous n'êtes pas d'accord, moi? Amen. Le globe terrestre, le premier propriétaire, c'est toi. Parce que tu es héritier du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Cette terre nous appartient. Il n'y a pas une terre qui ne peut pas se soumettre à toi. Toutes les terres. Mais qu'est-ce que tu as fait? Si tu ne fais rien, l'Italie va te refuser. Si tu ne fais rien, la France va te refuser. Parce que le système est fait pour les Français. Le système est fait pour les Italiens. Le système est fait pour les Américains. Au pâtissier sol, vous échouez. Non. Il n'y a pas une terre où on doit échouer, qu'on a Dieu. Jamais, ça n'existe.
Jamais. C'est pour ça que ce n'est pas partout où on prie. Il y a des actions. We need to have. Vous avez un rendez-vous à l'ambassade. Rencontrez un consul pour un visa. Prenez le monsieur. Prenez l'ambassade pendant une semaine. Tous les 1h du matin. Parlez à l'ambassade. Avant d'avoir votre passeport. Vous parlez pendant une semaine. Il faut que celui qui touche ton passeport. Vous avez le passeport. Celui qui touche qui met le visa. C'est cette semence-là qui va l'amener. Quand il va regarder ce que tu as semé là, ce qui va arriver. Tout ce que vous liez sera. Everything that you tie will be untied. Tout ce que vous déliez. C'est pas une question de prophètes, les sorciers, on bloque un visa. Ils sont quoi? Ils sont quoi? Il y a des actions qui doivent être menées. We need to have some actions first. Tu as déjà ça le passeport. Already has. Ok. Et 1h du matin, ce sont des heures stratégiques où l'homme dort profondément, se parle. Je ne connais pas son nom, mais c'est un consul de telle ambassade qui doit recevoir ce visa. Mon passeport doit qu'il touche mon passeport. Sans hésitation, il doit mettre le visa. Parce que j'ai besoin d'aller pour la gloire de Dieu. To go for the glory of God. Quand il touche ton passeport, comme la parole. As the word, rien ne peut se faire sans la parole. Comme la parole était semée. Quand il touche, c'est cette parole qui se révèle à lui sur le passeport. Et il est obligé de prendre. Parce que les sorciers, là, ils disent j'ai parlé sur son passeport. Ils n'ont pas vu son passeport. Et l'église a pas. Vous savez pas ça? Vous pensez que c'est partout où il y a jeûne et prière? Vous mettez jeûne et prière partout. Non. Au commencement, la parole. Vous devez utiliser la parole. Parlez. Si vous avez le secret des mystères, il n'aura plus d'obstacle devant vous. Notre Dieu n'est pas le Dieu de l'échec. C'est le Dieu de la victoire. Au commencement, est la parole. Quelqu'un n'a qu'à se révolter contre vous. Il n'a qu'à se révolter contre vous. Il n'a qu'à vouloir vous menacer. Gérez-le à 1h du matin. Amen. Talk to him at 1 a.m. Il n'a qu'à comment pour dire va venir te renvoyer. Il y a un fils spirituel, il dit pas son nom. Il travaille au plateau dans les finances. Il a eu tous les problèmes. Regarde, on dit que le gars a mangé un peu l'argent. Parce qu'on regarde pas dans la bouche de celui qui grille arachide. Amen. Tu as grillé arachide, tu as mis quelques écrins dans ta mâchoire pour manger un peu. Oh, comme le monsieur, il m'avait donné un peu des arachides. Et le, vous aidez le ministère. Et la vérité, je vous dis. Amen, amen. 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 Et qu'il a payé ma voiture. Amen. Il dit qu'il a un problème dans le service. Il s'est. Tu as compris? Mais comme l'argent a servi pour faire avancer l'œuvre de Dieu, amen. Je lui ai dit tous ceux qui se plaignent, donne-moi leur nom. All the people complaining, give me the name. Et toi, va dormir. And go and sleep. Il m'a donné tous les noms. Il m'a appelé, il tremble. Il dit ne tremble plus. S'il t'en renvoie. Do not worry anymore. Comment insulté? S'il t'en renvoie. Tu reconnais non oui. You recognize? Yes. Moi il m'aide dans le cœur de Dieu pour régler ça. Amen. Viens aller dans le cœur de Dieu pour régler ça. Amen. À 1h du matin, je prends les noms, je commence à parler. J'efface ça dans les mémoires. Je parle, je dis son nom, j'efface ça dans sa mémoire. Je parle, j'efface ça dans sa mémoire. Et si tu n'es pas un être humain, tu peux aller le renvoyer. Mais si tu es un être humain, je déclare que ce monsieur ne soit pas être renvoyé. Il est péché. Il dit c'est fini, c'est tout. Homme de Dieu. Father, I'm sorry God. And I went to sleep. Il dit, faut prier pour moi. Il dit, va. Vous parlez, c'est pour prier, on doit prier seulement. Va! Go! On a regardé, on dit, oh petit. On a vu, mais. Je donne un peu. Alléluia! Vous avez la clé de tout champ dans toutes vos mains. The key of everything in your hand. La clé à tout le monde. The key is in our hand. Mon mari, mais c'est là, ouais. Your husband would like to attend. La Bible dit le cœur de l'or. The Bible says they have le recueil du roi entre la main du roi, il incline comme il veut, à notre faveur. Amen. Il incline le cœur du roi à notre faveur. À une heure, règle son problème. Lui est qui? C'est né, c'est crise des nerfs. Lui est qui? Who is he? Il est vaincu en même temps, le feu sur lui. Il est qui? Il va se liguer contre toi. Il est qui? Who can stand against you? Parle à ce monsieur. Talk to that man. Il ne peut pas jouer ton corps. Il peut même. Non. Tu t'es jeté à la poubelle. Tu parles.
you talk. Peu importe l'envoûtement qu'il a reçu. S'il a mangé un jackaora qui l'a envoûté, ça se langage chez lui. Mais il faut qu'il te respecte. That he need to respect. Son jackaora là, ça c'est limité à lui. Mais il faut qu'il te respecte. Qu'il parle. Tu ne veux pas se soumettre. Il viendra te demander pardon. Pendant que Mardoché et toute l'armée d'Israël, pendant que la reine Esther, ils étaient tous esclaves, le roi voulait les détruire. Mardoché est rentré en prière. Pendant que Mardoché priait, le roi ne dormait pas. Il a commencé à fouiller le livre des chroniques. Il fouille. Il tombe sur une activité que Moïse, Mardoché a fait qui n'a pas été récompensé. Voici Anan. Amman qui vient, okay. Et le roi dit, mais pour quelqu'un que le roi veut récompenser, qu'il doit faire, il dit, pour le méchant Sheba, il dit, fais ça pour Mardoché. Nous avons la clé we have the key de toute réussite entre nos mains. Nous avons la clé we have the key de toute réussite entre nos mains, la parole. The words. Les sorciers, comment tu as fait pour les tuer? Je l'ai appelé, c'est ma parole. J'utilise ça négativement. Ne jouez pas avec ça. Je vous donnerai des secrets. Je suis venu vous donner les secrets, les mystères. Lui, il est qui, le monsieur? Ce n'est pas Dieu qui a son cœur. La Bible dit que Dieu est qui le cœur de roi à nos faveurs. C'est à ta faveur. Il ne veut pas, il va prendre, il va te donner tout ça. Il give it back to you. Vous mettez jeune, vous maigrissez, on dit non, tu as anémié. Tu as maigri. Petit visa bizarre. Vous êtes dans quel pays? On dit maigris son monde. On te donne 21 jours, tu fais 40 jours. Tu vas dépasser Jésus maintenant. Tu vas maintenant dans 60 jours de jeûne. How can you spend? Il y a des choses, c'est pas jeûne. Pendant une semaine, à chaque minute, une heure du matin, parle. Ce passeport, c'est une action. Celui, je m'en vais en mettant un tel visa. Le consul qui va prendre le passeport, j'essaie cette qu'il me donne le visa. Au nom de Jésus. Pendant une semaine, à la même heure, on the same time. Fini. Les choses sont réglées. Everything is over. Les choses sont réglées. Everything will be over. Vous avez la clé du royaume. You have the key. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié. Tout ce que vous liez sur la terre sera délié. Nous avons la clé du royaume. Vous avez un rendez-vous d'affaires. Le monsieur pour signer des contrats à 1h du matin avant le rendez-vous. Commencez déjà à parler à son cœur. Parce que l'esprit du mal peut venir le distraire après. The spirit of badness can talk to him. Amen. Amen. Tu m'as bien saisi. Est-ce qu'on a suivi un peu l'enseignement? Amen. 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 Est-ce qu'on a compris un peu? Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris un peu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as commencé une activité sans faire une action. Tu as commencé un commerce sans faire une action. C'est ça qu'il faut recommencer. Il faut faire une action. Pour que l'action la puisse agir. Have an action. Quand tu commences un commerce, when you start sans trade, une action prophétique, ça va échouer. Prophetical action, you'll fail. Ça va échouer. Parce que la parole est une semence. On dit rien ne peut se faire sans ça. Rien. Dieu dit même pour créer la terre, il a utilisé la parole. Il n'a pas dit abracadabra. Il dit que la lumière soit et la lumière fuit. Il a utilisé la parole. Maintenant, toi, tu n'utilises pas la parole. Tu es plus fort que Dieu ou bien? Are you stronger than God? C'est la méthode. It is the method. Nous avons imité Dieu. We need to imitate God. Mais Dieu a commencé par comment? Au commencement, il utilisait la parole. C'est la même chose. Donc tu as commencé une activité qu'en temps de chambouler, qu'en temps de problèmes, vous devez prendre une bouteille d'huile d'onction tous les matins, pendant 9 jours, à la même endroit, vous parlez à l'activité. Quand vous finissez de parler à l'activité, vous versez l'huile, vous cassez. La pauvreté est finie, les difficultés sont finies. Ce point va être une source de richesse. Tous les gens vont venir. Parce que tu auras semé la parole. Le commencement est la parole. La parole est importante. Rien ne peut. C'est pour ça que dans Deutéronome, il dit qu'oreille écoute. Le ciel est fait pour écouter, mais la terre écoute nos instructions. Amen. La terre écoute nos instructions. Ce matin, il faut que le Seigneur vous ouvre des grandes portes. Je vous envoie du sel béni. Je vous envoie du sel. C'est le sel béni. C'est pas ni de la magie, ni de quoi. C'est le sel. J'ai prié si ça, c'est béni. On va simplement vous mettre. On va vous donner ça.
They're going to give it to you. Ce soir, on allait dormir. Tonight before sleeping. Nous sommes bientôt en fin d'année. On ne sait pas quel genre de diarrhée ils ont fait sur toi. Il y a diarrhée puis il y a diarrhée. Il y a les dimensions de diarrhée des sorciers. On appelle ça gounini. On ne sait pas quel gounini ils ont fait sur toi. Amen. We don't know what they have done. Vous savez que le sel, ça fait pour assainir les choses. L'Élysée, c'est le sel qu'il a utilisé pour les verser ça dans la soupe des eaux. Et l'eau, le problème s'est calmé. Donc, ce n'est pas partout on prie. C'est une inspiration que j'ai reçue ce matin. En quelques jours de fin d'année, il y a une action qui doit être menée. Et cette action, on va vous donner ça tout à l'heure, avant de dormir. C'est-à-dire à 0h, quand vous avez fini de vous laver, vous finissez de vous laver tout ça. À minuit, vous prenez le sel là, vous mettez ça dans. Ce n'est pas de la magie, c'est une action prophétique. Jésus a pris le sable et le sable pour guérir les vieux des aveugles. Il fait comme lui. Parce que les gens ne connaissent pas, ils aiment interpréter ça très mal. C'est pas païen. Vous Is prenez ça. Allons-y. Jean le chapitre 9. Je vais parler de quelque chose. Je veux que ton étoile brille. Quand tu vas finir ça, l'obscurité qui toile. If you finish this action, the darkness in you, la lumière prendra le dessus. Jean le chapitre 9. Jean chapitre 9 à partir du verset 1. Jésus vit. En passant, un homme aveugle de naissance. Écoutez très bien. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, on dit après avoir dit cela, il cracha à terre. Très bien, il cracha à terre. Il spat on the ground. Et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, go, et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y a là, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Le Jésus puissant que la femme a touché, elle a été guérie. C'est parti champ de méthode et prend la boue pour guérir l'aveugle. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une action prophétique. Il y a des dimensions de bénédiction. Dieu m'inspire les actions que je fais. Puis il m'en va là-bas. Moi-même, j'ai oublié de prendre celle de main. Je m'en vais là-bas. Les actions prophétiques. Et les choses, c'est les actions prophétiques. Ce matin, nous sommes en quelques temps de la fin de l'année. Ton aura a été touchée par la sorcellerie. C'est l'aspect étoile-là qu'on éteint ton étoile, la gloire t'échappe. Tu donnes plus du travail, tu ne peux pas gagner du travail, tout est bizarre. Le sel là, béni là, vous versez ça dans un seau, peu importe la quantité. Petit, beaucoup de travail. Ça là c'est petit, mais ça fait beaucoup de travail. Vous avez compris? C'est pas chinois, hein? Comme chinois dit petit, petit travail. Lui c'est petit, mais beaucoup de travail. Amen. Donc vous versez ça dans l'eau, un gros seau d'eau. Et pour verser ça sur vous, vous ne nettoyez pas, allez dormir. Le matin, vous serez clean. Pour aborder la nouvelle année. Amen. Voilà, donc on va vous donner ça, c'est gratuit. On va vous donner ça tout à l'heure. Vous allez mettre ça. C'est une grâce. Amen. C'est dans le domaine des affaires. Tous les étoiles bizarres. Voilà, donc on va vous donner ça ce matin. Vous allez verser. Amen. Maintenant, ces huiles-là. C'est spécialement dans le domaine de la richesse et des affaires. Quand vous finissez de faire, bien sûr, vous prenez les huiles là, vous pomadez ça pendant 7 jours. You pour it on your body. Si l'argent quelque part, ça va venir. The money is from okay. Que l'argent, ça ne vient pas chez partout, ça peut devenir dans d'autres coins. Ça vous fuit. Quand ça vient, il te dit, va dépenser. Tu dois être étonné. Tu manques pour faire tout seulement. Tu bois le contrôle seulement. Tu bois 20. Agouti, heureusement qu'il y a agouti maintenant. Amen. Voilà. Alléluia.
L'argent doit rester. Money must stay. C'est pour ça que c'est important. That's why. Mais quelle action tu as menée? But which action? C'est pour ça que je vous dis. That's why I say. À partir de 4h30 du matin. 4 a.m. in the morning. Ouvrez le psaume 23. Open Psalm. À 4h30 du matin. 23. Ouvrez le psaume 23. Psalm 23. Et reprenez le verset pendant tout le chapitre pendant 21 fois. 21 times. Vous ouvrez et vous répétez ça. And you repeat it. Dans la version hébraïque, l'Éternel en anglais, Hachem. Baruch Hachem. Baruch Hachem. Baruch Hachem. Voilà, Baruch Hachem. Comme je vous disais comme ça, il dit le nom Jésus n'existe pas en hébreu. Jesus, vous dites Yeshua. Parce que la lettre J n'existe pas en hébreu. C'est Y. La lettre J n'existe pas, c'est Y qui existe. Dans l'alphabet grec et dans l'alphabet juif, hébraïque, le J n'existe pas. It does not exist. Voilà, donc il y a des choses comme ça que je vais vous apprendre. Je suis venu pour vous apprendre. Je suis en train d'étudier les ministres avec les juifs. Je suis en train d'étudier beaucoup de choses. You. Vous prenez la parole, vous dites Baruch, Baruch Hachem. Baruch Hachem est mon berger. Mais en conjuguant tous les verbes au présent. But Baruch Hachem est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Même quand je ne crains aucun mal, tu es avec moi. La houlette de ton tu dresses devant moi une table. Afin de mes adversaires, tu conduis et ma cour, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours, non pas accompagneront, compagnent présent, m'accompagnent tous les jours de la vie. J'habite la maison de Baruch Hachem jusqu'à la fin des jours. 21 fois, le même chapitre. Si tu répètes ça, à court, parce que quand tu dis il est ton berger, tu ne manques de rien. Quand quelque chose manque, il envoie la provision. C'est le Seigneur de tous les Juifs. Quand ils vont dans leur coin, c'est pour ça qu'aucun Juif n'est pauvre. Le Juif, ce n'est pas normal qu'on prie Dieu qu'on soit pauvre. Quand un Juif vient dans un quartier, quand avant de commencer un commerce, pendant 9 jours, il fait action prophétique dans son magasin. Pendant 9 jours. Il verse lui d'abord. Pendant 9 jours. Quand il a fini, il loue maintenant son magasin. Parce que le spirituel est réglé. Là, vous êtes pressé pour ouvrir, pourquoi? Laissez-moi travailler. C'est pour ça que dans n'importe quel quartier, un jour s'installe. Comme il connaît la clé, il connaît le secret pour envoyer le client. Ça marche pour lui. Everything is alright for him. Amen. Si vous avez une affaire à faire, vous pouvez simple mise à venir, mais vous voyez le secret. Come and see. Amen. Amen. Si vous avez un gars bizarre dans votre quartier qui utilise peut-être le voodoo contre vous, venez me voir. We use. It's just on va lui montrer la terre de mortalité. 2017, on ne va pas s'amuser les gens. No joke. La prochaine fois, on va lui montrer la termitière. Ça veut dire quoi, termitière? Next time, we'll show you. Il y a tout pour les détruire. Amen. Comme nous, on aime les bonnes choses. Nous avons tout. We have everything. Mais si tu répètes ça, pour être les gens sont quelque part, pour les gens, chaque 3 heures du temps, il reprend Baruch Hachem, mon berger, je ne demande de rien. C'est ça. Mais pourquoi il fait le saut? Mais le saut, là, c'est dans la Bible, c'est pas dans la Bible. Mais en quoi ça vous dérange? Chacun fait en fonction de ce qu'il a reçu comme révélation. Or, la guerre des 6 jours, quand vous allez étudier comment les Juifs ont battu les Arabes, c'est le chapitre 23. Chapter 23. Et quand vous répétez le chapitre 23 de psaume 23, vous n'avez jamais abaissé. On ne peut jamais mourir d'ABC. You can never die. C'est le puissant remède contre l'ABC. Quand quelqu'un dit un ABC déclenche, dis-lui, il n'a qu'à répéter le nom. C'est à partir de 4h30. C'est à partir de 4h30, c'est 3h30 qu'on commence, mais c'est à 4h. À 4h, s'ouvre les portes de la journée. Si vous négligez ça, vous négligez la richesse. You neglect it. Le seul problème, c'est que nous, on néglige. Il y a l'heure de prière, on ne prie pas. Oh, il y a une heure de prière. C'est 3h30 du matin. I'll pass free. C'est 3h30 qu'on appelle l'aurore. I'll pass free. A.M. in the morning. Amen. Il est ton berger, je ne manque de rien. L'argent va venir. I won't miss everything. Moi, il m'en fout de ceux qui critiquent ça.
Moi, j'ai fait. Ça m'apporte beaucoup de choses. Tout ce que tu dis sans faire, apporter, c'est biblique. Je suis prophète. Un prophète, son enseignement est différent des autres. Moi, je suis dans un prophète. Je ne suis pas dans autre chose. Je dois montrer les secrets. Voilà, je dois montrer les secrets. Le psaume 23. D'ailleurs, il gêne. On dit, le pasteur, il faut gêner. Tu as gêné, tu n'as rien vu. Tu gênes, oh. Tu gênes, maintenant, tu vas faire une prise de sang. Il dit, non, le sang est fini dans ton corps. Ton cœur bat doucement, doucement. Tu dis de faire arrêt cardiaque. À cause de gêne. You can even have a heart attack. D'ailleurs, mon gêné, quand fait, si je pouvais sauver là, oh, ça allait sauver plein ici. Oh, c'est pas partout, gêne. Amen. Too many people could have been pour que l'année, ça va tenir l'année. Must be correctly welcome. Une nouvelle année là. The new year. Les choses qui ont été faites sur nous, au cours de l'année, ça doit être nettoyé. Too many things have been down. Ça qui a prévu l'action prophétique ce matin. On va vous donner ça. Vous versez ça dans l'eau, vous baignez. C'est un bain. You pour it in your water and wash yourself. Happy night. Une seule action prophétique, c'est une seule. Prophetic action is just one time. Vous n'êtes pas concerné. Le quartier n'est pas concerné. Nous n'avons pas l'action. C'est vous qui faites de vous nier ici les gens. Vous n'êtes pas concerné par l'action. Amen. Donc il y a des huiles. So we have some anointed. C'est spécialement pour les actions, especially for de richesses, tout ça. For wealth. Voilà, parce que moi souvent, j'ai envie d'avoir l'argent. Because sometimes I would like to. Et puis j'ai fait mon action. Et puis l'argent, mais on m'appelle pour me donner l'argent. Et c'est les actions. C'est pas prière. Les actions qui font ça bien. Ah, non, là, chacun a reçu une grâce. Everyone. La dernière fois, on me posait une question. On dit, ah, les prophètes qui donnent le numéro des gens, dit chacun son don. Everyone. Moi, je ne suis pas là pour critiquer quelqu'un. Les journalistes, j'ai fait une conférence de presse. German. Il me dit, il y a des gens qui voient, ils disent ton numéro. Dit, mais c'est son don. C'est son don. Moi, il mon don. Il y a trois sorciers. Il va sorcier à trois. Il marche, je vois pendant à 20 km, je vois les médicaments qu'on a mis. C'est mon don. Si lui voit le numéro, à quoi c'est où est le problème? Chacun a son don. Amen. Amen. Donc, ça, on est venu pour vous donner de l'argent. So, c'est pas un péché. Souvent, on chasse les maladies, on chasse les sorcelleries. On ne prie pas pour que vous ayez la grâce de Dieu. Que la main de Dieu soit sur vous ce matin. Nous allons prier, levez-vous. Let's stand up and pray.